Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans le fond, aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale. C'est la première fois que je fais un unboxing de livres sur ma chaîne. Donc, voilà. Puis, c'est pas mal ma première vidéo de livres aussi. Vu qu'il y a une nouveauté dans la boîte, je vais peut-être déroger de mon horaire habituel et poster la vidéo d'avance. Puisque je trouve ça un peu con de vous montrer une nouveauté alors que lorsque, suivant mon horaire que j'ai déjà filmé, elle sort comme un mois après ou deux semaines après. Je trouve ça un peu intense, donc ça se peut que je déroge de mon horaire habituel et que je vous poste cette vidéo-là hors horaire. Donc voilà. Ça vient de les éditions de Mortagne, une maison d'édition québécoise. Oui, pareil. Pardon. Il y avait le papier avec toutes nos informations personnelles. Donc, pour commencer, j'ai le livre. Oh mon Dieu, il est épais. J'ai le livre, je ne sais pas si vous voyez, Celle de trop de Joanie Touchette, qui est publié dans la collection Tabou de les éditions de Mortagne. C'est celui-là, le nouveau, là, il sort aujourd'hui, justement. Donc, voilà, il sortait aujourd'hui. Donc, voilà pour le premier. Je vais juste mettre la petite dédicace qu'elle m'a fait. Oh, c'est gentil. Merci, Joanie. Ensuite, je me suis acheté la trilogie, si vous la connaissez. Regarder les deux petites choses après. La trilogie bien roulée. Donc voilà. Je pense que ça va dans ce sens-là, mais je suis pas certaine. Je pense bien que oui, là, le mariage, me semble d'habitude, ça vient avant les bébés. Mais manière de parler, là, je veux dire, c'est pas votre cas, puis que vous avez fait ça dans un autre sens, c'est pas bien grave non plus. Donc c'est ça. La trilogie bien roulée de Annie Lambert, encore une fois publié aux éditions de Mortagne. La commande est passée sur le site internet de Éditions de Mortagne, bien évidemment. Puis, dans le fond, je me suis acheté la trilogie puisque j'avais lu celui-là, le premier tome. Je l'avais lu sur mon téléphone parce qu'au début du confinement, il avait offert quelques livres gratuitement en PDF, e-pub, en tout cas en version électronique. Puis celui-là m'intéressait beaucoup. Puis je l'ai lu. Puis il est super bon. Désolée si jamais vous entendez des bruits. Le propriétaire passe la tondeuse ou la zipette, comme on appelle. Donc je suis désolée. Bref, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. J'avais lu celui-là, le premier. Puis là, je l'ai trouvé très bon. Fait que là, je me suis dit. Ça, c'est ma laveuse, pardon. Fait que là, je me suis dit. Ah, mais ça pourrait être intéressant de lire les deux autres. Tu sais? Parce que quand on commence une trilogie, habituellement, si on l'aime, on la finit. Ou trilogie ou série de livres, whatever. Fait que là, sur Édition Mortagne, je cherchais un autre livre pour acheter parce que si t'en achètes juste un, Tabou, t'as un frais de shipping. Donc, ah, oh, j'ai un signet, c'est vraiment le fun ça. J'en ai tout dans les autres pour le fun. Bon, ok, juste dans lui. Bref, fait que ouais, c'est ça. Fait que là, les trois ensemble revenaient à un gratuit. J'avais payé comme 40$, je pense, pour 40 quelques dollars pour les trois. Donc, c'est comme s'ils donnaient un gratuit. Fait que dans le fond, j'ai comme. Vu que j'avais déjà lu le premier, je me dis, ah, oh, c'est une bonne opportunité, j'ai pas à le payer. Puis en même temps, moi, acheter des séries de livres, je suis quelqu'un qui a comme un tic d'envie. Faut tout que j'aille les livres de la série quand je l'aime. Fait que là, tu sais, si j'avais pas. Si j'avais pas le premier en livre, même si je l'ai déjà lu, je trouvais ça ordinaire. Fait que je me suis dit, c'est la bonne occasion et je l'ai acheté. Donc voilà, c'est ça que je me suis acheté. Le trio bien roulé et celle de trop, le nouveau tabou. Fait que là, j'ai avec ça un signet, mais je pense que j'en ai un. Je pense que je l'ai vu ici dans le livre. Ouais, c'est ça. Donc j'ai le deuxième. J'ai-tu le premier par chance? Oui. Ah! Hein? Il est dédicacé celle-là. Parce que
quand chaque femme se cache une poignée d'amour. Ah, je savais pas qu'elle l'aurait dédicacé, c'est le fun ça. C'est très très le fun ça, je suis contente. Donc voilà pour la commande. Après ça, j'ai le petit livret qui nous donne assez souvent avec les commandes ou qui sont disponibles dans les salons du livre. Dans le fond, c'est tous les livres au complet, c'est le catalogue des livres. Juste curieuse d'une chose. Voilà. Fait que ça, je le regardais un petit peu vite vite. Puis j'ai eu un poster. Voilà. Avec quelques livres publiés. Comme ça ici. Puis l'autre côté aussi d'autres livres publiés. Parce que ça fait 10 ans que la collection Tabou existe. Donc ils ont fait un poster spécialement pour les 10 ans. Donc, c'est ce qui conclut mon unboxing. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais ça vous intéresse d'avoir d'autres unboxings de livres, dites-moi-les en commentaire. Ou d'autres vidéos de livres aussi, dites-moi-les en commentaire. Si vous avez des suggestions, je suis toujours ouverte. Puis, après ça, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépendant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour voir mes prochaines vidéos. Vous pouvez la liker, vous pouvez la partager si ça vous tente. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!